Jean Marty a largement contribué à faire progresser la technique du billard. Son amour du jeu, la richesse de ses analyses, il a su les partager avec les plus grands joueurs actuels. Tous lui sont reconnaissants pour les précieux conseils qu'il continue inlassablement de donner. Le voici avec Louis Hedelin, 12 fois champion de France Master et l'un des meilleurs joueurs internationaux au quart. Sujet de la leçon, le cadre 71-2. Presque sortir la rouge. Il faut qu'elle soit presque à cheval. Effort donc. Voilà qui est parfait. Petit point pour sortir et rester près de la blanche. Sans être collé. Donc, beaucoup de bon effet et tu sors la rouge. C'est tout. Petit point. Tu es risqué de coller, là. Ah oui, elle ne colle pas, heureusement. Heureusement. Donc, massé, puisque tu ne peux plus passer autrement. Mais quand même, c'est à peine massé. À peine massé, voilà. Voilà. Cette fois-ci, tu es obligé de jouer une bande, même si ça te dérange. Oh non, tu peux la redresser. Mais si c'était un tout petit peu plus loin, ce serait encore une bande. Mais il y a certains joueurs, des forts joueurs, qui pourraient dire, oui, mais elle est trop loin de la bande. Oui. Allez, dis, il y a beaucoup de chemin à la bise. Oui, d'accord, elle est loin. Mais il faut quand même conserver qu'ici, il y a 6 cm en moins. Ici. Donc, je le mets pour que tu sois obligé de jouer une bande. Oui, là tu es obligé, oui. Elle rentre de trop, ça va. Ou placement. Et la place. Tu serais obligé de faire un placement. Voilà. Et cette fois-ci, tu vas jouer la bande. Et tu verras qu'il est très très facile de jouer la bande. Puisque nous trouvons à peu près à l'angle droit, ou l'angle un petit peu obtus, et à ce moment-là, un petit peu de bon effet, pourvu que tu prennes assez plein pour qu'elle revienne. Donc on voit bien que ce n'est pas difficile à partir du moment où tu as combien ? 6 cm de moins. 12. Puisque tu la vois ici, alors que c'est donc 6 et 6. D'accord. Bon. Donc loin la rouge, placement sur cette rouge pour rappeler, et passage entre les deux si tu ne restes pas collé ou si tu n'as pas poussé trop loin. Voilà. Donc tu l'as poussé trop loin par rapport à celle-ci, et il fallait ça. Et à ce moment-là, finesse pour passer entre les deux afin que tu puisses sortir la rouge. Donc, petit point, petit point. Il te faut un petit centimètre. Donc, un doigt de, je ne sais pas comment à la télé, un doigt de, Donc, finesse, bon effet, et tu, avec ce bon effet-là, tu sortiras la rouge. Comme tu n'en as pas assez, voilà, petit point. T'as pris plein, t'as pris plein. Et c'était ça. La finesse est difficile à prendre. Oui, mais c'est courant. C'est courant, c'est courant. Peur de trop passer ou pas du tout? Parce que tu prends plein, la 2. Qu'est-ce qu'une finesse? Ça, c'est laisser la bille que tu touches là où elle est. Et qu'elle ait une petite vibration. 1 mm, je veux bien. Mais pas plus. Mais là, tu l'as poussé d'une bille presque. Rappel. Plutôt avec effet contraire pour la perdre de ce côté, la blanche. Enfin, il faut la faire rentrer le plus possible. Quoi. De toute façon, elle ne peut pas rentrer que sur la tienne. Elle peut rentrer que sur la tienne. Voilà. Voilà. Et elle va venir là, parfait. Voilà. Petit point. Puisque là, cette fois-ci, nous avons un point, deux points, trois points, quatre points, rétropassage. Un point, deux points, trois points. Donc, 7 points. Petit point. Non, plus bas. Moins plein. Moins plein, on a tout le temps. On a tout le temps. Voilà. Tu viens là. Petit point. Non, plus fin. Ah oui, d'accord. Plus fin. Plus fin. Voilà. Sans effet, pourquoi tu veux prendre la dominante? Petit point. Petit point. Petit point. Voilà, trop fort encore. Petit point. Alors cette fois-ci, tu vas avancer. Tu vas avancer. Avance loin la rouge. Et petit point. Voilà. C'est libre. Finesse. Non, finesse. Finesse.
Finesse, plus fin, 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 plus fin. Voilà. Non, mais pas le bon effet, petit point. Mais non, ça fait rien, petit point. Voilà, et maintenant, rétropassage. Allez, vas-y. Ah, c'est plein. Donc, quand cette bille vient par là, tu te mets là. D'accord. Hmm? D'accord. Il n'y a pas besoin de passer, en fait. Oui, mais c'est un passage par rapport au passage, d'après. Hmm? Par rapport à la position de la rouge. Où va la rouge? Puisque donc, ton passage est ici. Si elle venait là, ton passage serait là. Si elle venait là, ton passage serait là. Donc, plein, plus plein, plus plein, voilà, et assez fort. Voilà. Et cette fois-ci, finesse. Enfin, tu vas jouer une bande puisque ça passe pas, hein, mais ça aurait pu. Hein. Légèrement plus fort, c'était bon. Aïe, aïe. Non, non, finesse, comme tout à l'heure. Non, non, pas assez, pas bas, pas bas. Parce que là, tu vas... Non, 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 lève ta queue. Queue au centre. Là, ici. Tu veux prendre plein la 3, il n'y en a pas besoin du moment que tu touches la finesse. Alors je la mets pour que... Voilà, donc finesse, ça venait là. Voilà, et celle-ci fin. Barrage sur la tienne, bon effet, pour la perdre par là, la rouge, enfin la jaune. Pas trop bas, sinon tu peux être court. Voilà, qui est parfait. Eh bien, tu es obligé de jouer la finesse, mettre la blanche près de la bande pour faire le rétropassage à l'intérieur. Donc, effet contraire, petit point, pas trop fort. Ben, c'est assez fort pour reprendre la rouge par une bande. Voilà.